Ce soir et demain, elles vont revenir à la charge. On devrait normalement s'en débarrasser pour samedi. Actuellement, nous sommes entre deux perturbations, mais pour plutôt parler d'une accalmie, l'humidité est assez importante sur les Alpes, puisqu'il se traduit par des passages nuageux. Tout cela en attendant cette perturbation qui va arriver ce soir sur l'ouest et sur le sud de la Suisse, qui va traîner demain sur nos têtes et qui va donc s'évacuer pendant la journée de samedi. Il va s'accompagner d'air plus froid. Cet après-midi, les nuages auront tendance à se décanter, pratiquement en toute région. Le soleil pourra faire quelques apparitions, mais plutôt discrètes, dans l'ensemble, surtout sur le... Moi, je crois pas au Yeti. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, j'y crois pas, c'est tout. Eh ben, moi, j'y crois. T'y crois, toi? Bah oui, pas la peine de ricaner. J'y crois, oui, c'est tout. Tu peux me dire ce que c'est un Yeti? Me prends pas pour une bille, tu veux? Vas-y, dis. Un grand singe tout poilu. Pas du tout, pas du tout. Un abominable homme des neiges. C'est bien ce que je dis. Un grand singe tout poilu. Non, non, non. Un abominable homme des neiges, te dis. Qui se présente comme un singe tout poilu marchant pieds nus dans la classe. Je sais, je l'ai vu à la télé. Tu veux un thé? Non. Ce que t'as vu à la télé, c'est les traces de pieds. Point final. Fatigue pas, ton Yeti n'existe pas. Et s'il existait, ce sera un abominable homme des neiges et pas un grand singe tout poilu. Ouais, bon, mais de toute façon, comme l'homme descend du singe, ça change pas grand chose. Ça, ça reste à prouver. Qu'est-ce qui reste à prouver? Tant que ça n'a pas été scientifiquement démontré. Eh ben oui. Il vivait il y a près de deux siècles. Et alors? Mais la science a progressé. Et alors? L'homme a évolué. Il descend plus du singe. Scientifiquement parlant. C'est vrai, chez moi il descend pas, il remonte. Ça veut dire? Exactement ce que tu as compris. Bon. Prenons les choses autrement. Comment ça, autrement? D'une manière que tu puisses suivre. Merci. À ton avis, il a créé le monde en 6 jours? Qui? Le Yeti? Qui? Mais avec qui je cause? Le Yeti! Qui, à ton avis, a créé le monde? Bah, ce que je sais, moi. Est-ce qu'elle sait? Mais on parle du Yeti, là, oui ou non? J'ai dit. Prenons les choses autrement, oui ou non? Oui, oui, oui. Et alors? Je te demande si Dieu, tu sais, dit Dieu. Oui, Dieu. A fait le monde en 6 jours. Il a fait le monde en 6 jours? Je te pose la question, crois-tu, oui ou non, qu'il ait fait le monde en 6 jours? Moi, à mon avis, je dirais moins. Comment ça, moins? Bah, vu l'état du monde, 6 jours, ça me paraît beaucoup. Hein. Le vendredi, il crée les animaux, le samedi, l'homme. Donc, CQFD, l'homme ne peut pas descendre du singe, c'est trop court. Tu comprends? L'homme, non, mais le Yeti, si. Y'a pas de Yeti! Merde! Personne n'a jamais vu de Yeti! Sauf, je te le répète, le type aux yeux bridés qu'il a vu à la télé et que moi, j'ai vu, de mes yeux vus, à la télé. Ton
ton type aux yeux bridés d'y avoir vu des traces de pieds. Point final. Et Yeti. Non, non, non. Si Yeti y avait, il l'aurait filmé pour le balancer à la télé en prime time. Au lieu de torcher leur truc à la noix avec tête en pain dessus et traces de pas diffusées aux petites heures. C'était une rediffusion. Non, non, non. Ils ont bidonné un truc à la con avec traces de pas pour un tour 58. Incroyable, non? Ha, ha, ha. Je me marre. Personne t'entend, personne ne l'a jamais vu. Mais si tu sors le type aux yeux bridés, qui l'a vu de ses yeux vus, oh, et que moi j'ai oh, vu... Oh mais tais-toi, 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 tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je prends ma tension, tu vois pas? Je vois surtout que tu prends ton coup. Chez moi c'est pareil. Ah, chez les humains. Quand mon pouce s'accélère, c'est ma tension qui grimpe, ok? Ok, et alors? Ça signifie que je suis énervé. Ah, et t'es énervé là? Devine. Mais si ça t'énerve d'avoir tort, t'as qu'à essayer d'avoir raison de temps en temps? Tu me fais chier, Tonton! Tu me fais chier, ton Yeti! Je suis sûre que Madame Yeti dans sa grotte se sent plus respectée par son Yeti de mari que moi ici dans mon salon. Ah, un quoi? Un Yeti! J'aime pas les poils! T'as pas toujours dit ça! Ça m'a toujours débêté. C'est peut-être des traces de Yeti femelle que t'as vues! Ça me ferait pas peur! Quoi? Bah, finir ma vie avec une femelle! Pointure 58! On laisserait nos traces de pas côte à côte sur la neige. Je te vois marcher pieds nus dans la neige. Ça risque pas, on n'y va jamais! On n'y va jamais parce que t'aimes pas ça. C'est vrai que j'aimerais pas marcher pieds nus dans la neige en plein hiver, mais en été... Si t'étais à la côte avec un Yeti, tu pourrais marcher dedans, même en hiver. Il me porterait sur son dos, et toc. Tu veux que je te dise? J'y tiens pas trop, mais j'imagine que tu vas me le dire quand même, alors. T'imagines très mal. Avec son fait, je préfère quoi? Tu préfères pas quoi? Te dire ce que je voulais dire. On en est là. On en est là. Et où tu vas comme ça? Coucher la bête. Ah, je ne sais pas. Tu vas pas me laisser des traces de pas gluantes sur le parquet en sortant de ta douche, hein? Je me douche plus le soir. Quel honneur? Ça me gratte. Qu'est-ce qui gratte? Le calcaire, elle suppose. Ça te gratte où? Partout. Partout, où ça? Partout, j'ai des poils, surtout dans le dos. Ah, alors comme ça, tu ne te laves plus? Si, 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 je me douche le matin. Ah, et le matin, ça gratte pas? Si, 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 mais ça passe dans le métro. Mais qu'est-ce que tu me chantes, là? Si tu trouves des traces de pas dans le salon, ce sera pas les miennes, surtout si c'est du 58. Est-ce que t'es faim? Tu viens pas? Non, je regarde la télé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un truc. Quel truc? Un documentaire. Sur quoi? La chasse aux lémures dans les Ardennes et en Chine du Nord. Et ça, en Chine du Nord? Et dans les Ardennes, oui. Et ça t'intéresse? Parfaitement. Rien de ce qui est animal ne m'est étranger. Bon bah, régale-toi. Et après? Merci, je vais me coucher. Et après, tu diras que les lémures n'existent pas. Encore regarder pour tenir. Incroyable! Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est le même type aux yeux bridés, là, la tête en pain sucre qui vient parler. Eh, mais ça ne m'étonne pas. Quoi donc? Mais ils sont partout! Qui? Eh, les têtes en pain de sucre! Ah là, voilà! Tu commences à comprendre. Il cause un sillon à la surface de l'eau.